Expliquez-nous, on voit plusieurs boutiques qui ont été donc vandalisées à l'occasion des violences qui ont été enregistrées ici hier à Kindia. Expliquez-nous, vous qui êtes un témoin oculaire de ces faits, comment ça s'est passé exactement? Bon, en fait, c'est depuis avant-hier, il y a eu quelques petits bruits. Et donc, hier matin, nous sommes tous revenus comme d'habitude. Nous sommes revenus à nos lieux de service. Bon, voulant ouvrir les places, on a trouvé que le climat n'était pas favorable. Nous avons préféré rester un peu, attendre un peu. Donc, en temps, il y a eu quelques petites manifestations. Vous voyez des jeunes qui venaient un peu mobiliser, qui lançaient des pierres, bon, du quartier même. Et donc, nous avons reculé d'abord. On s'est dit de reculer et savoir quelle était leurs intentions. Donc, par après, on était tous surpris de voir des jeunes, des loubas, venir s'attaquer directement aux places. Et en ce moment, on a fait appel aux forces de l'ordre, leur demander vraiment un secours, parce qu'on n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Oui, c'était vraiment surprenant. Et donc, en ce moment, il fallait d'abord nous-mêmes, d'abord, qu'on soit avant l'arrivée des policiers. Et donc, il y a eu des confrontations entre les jeunes même du quartier et nous, qui sommes là, nous marchands. Et on a eu des jeux de pierre, mais ils étaient plus nombreux que nous, c'était plus nombreux, puis bon, on n'avait pas trop la force. Et avant l'arrivée de ces gens, des policiers et autres, ou de la gendarmerie, ils avaient déjà franchi assez de portes. Ils avaient des marteaux, ils avaient en fait tout ce qu'il y avait comme matériel pour ouvrir les portes, si vous voyez. En ce moment, on s'est dit quoi? Vraiment que l'armée nous aide, parce que nous seulement, on ne pouvait pas. Les enfants étaient plus nombreux que nous, si vous voyez. Et bon, ils ont eux aussi à leur tour tenté. Ils ont tenté, ils ont jeté les gaz lacrymogènes, ils ont fait reculer les jeux. Du fait, au moment, il y avait un manque même de gaz lacrymogène. Ils étaient obligés à patienter. Mais ils ont fourni l'effort qu'ils pouvaient. Ils ont fait de leur mieux. Mais vraiment, ce n'était pas suffisant parce que la preuve est là. Vous voyez, aujourd'hui, les jeunes sont venus, ils ont tout cassé, ils ont tout pris, ils ont emporté avec eux. On a essayé de négocier, à un moment, on arrive à se comprendre un peu, mais il y a eu encore ces mêmes personnes qui ont repris encore. Vraiment, on ne pouvait plus les arrêter. Est-ce que vous connaissez les jeunes qui ont fait ces actes? Vous les connaissez ou bien vous ne les connaissez pas du tout? Bon, en fait, si je dis connaître, c'est trop dit, mais de vue, c'est pourrait que comme hier, on était en confrontation directe, c'était pas la nuit, c'est la pleine journée. Si j'arrivais à voir certains parmi eux, je pourrais les signaler. D'accord, ouais. Mais vous savez pas si c'est des jeunes qui habitent ici ou bien est-ce qu'ils sont venus d'ailleurs? Bon, là, c'est un peu difficile de donner cette réponse parce que je ne pourrais pas affirmer que ces jeunes-là sont du quartier, effectivement, mais là où ils viennent, là, le chemin qu'ils ont emprunté pour nous rejoindre ici, ça c'est dans le quartier. D'accord. Est-ce que vous avez compris pourquoi c'est vous qui avez été visé, pourquoi vos commerces ont été attaqués? Voilà, ça c'est la belle question, parce que dire que vraiment nous savons pourquoi on a été visé, là c'est, on ne peut pas le dire. Moi je pourrais dire qu'ils ont profité de l'occasion pour voler. C'est ça. Leur objectif c'était de voler. Ils ne sont pas venus pour une revendication, parce que la revendication c'est pas à notre niveau. Hein? Ils pouvaient aller s'ils ont voulu revendiquer, ils pouvaient aller trouver la mairie. Ou bien s'ils venaient pour nous chasser, là on pouvait comprendre. Mais ils sont venus pour nous chasser et maintenant pour casser la boutique. Donc ils étaient venus pour voler. C'était ça l'objectif. Alors vous, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? La suite à donner à cette situation, est-ce que vous voulez laisser tomber ou bien vous avez des démarches à faire? Bon, à ce niveau, là, je pourrais dire que moi, en tant que citoyen, je n'ai rien à faire. Ce n'est pas à mon niveau. Hein? C'est cas de situation pareil, puisqu'il y a un État, il y a un gouvernement qui est là et il y a un ministère aussi qui est chargé de, je crois, s'occuper de ces affaires. C'est à eux de jouer leur rôle. Moi, je compte sur eux. Moi, je remets la balle dans leur camp. Oui, mais pour cela, il faut souvent que les victimes portent plainte pour qu'une action soit engagée. Mais bien sûr, nous sommes sur ce cas-là parce que déjà, tous les policiers qui étaient là hier, ils sont tous témoins de ce qui s'est passé. Et donc, nous allons essayer
de joindre d'abord pour ça, c'est pas hiérarchie. Notre bureau d'abord, c'est-à-dire le bureau du marché, essayer de voir notre président, l'expliquer et à lui de nous dire maintenant qu'est-ce qu'il y a à lui faire. Merci donc. Alors on vous voit avec des blessures, des brûlures oui. Partout. Expliquez-nous comment cela est arrivé. La même façon qu'on voulait me tuer. Okay. J'étais à la maison, on veut mettre dans notre maison. J'étais là-dedans. En sortant maintenant, c'est ça qui m'avait brûlé comme ça. C'était quand est-ce? C'était hier ou bien avant-hier? Avant-hier, c'était avant-hier. Le mardi? Oui. Le mardi? Oui, mardi, oui. Entre 13h et 14h comme ça. Alors, un groupe de citoyens, de manifestants est venu. Des manifestations. C'est nombreux, on ne peut pas les citoyens. Ok. C'était trop quoi, on ne peut pas. Comment ça s'est passé? Bon, on était à la maison. Comme ils sont venus, on a tout fait pour gâter mon pote, ils n'ont pas pu. On a jeté les pierres sur ma maison jusqu'à casser tous les tours. Et après, ils ont disparu un peu. J'ai pris ma femme, on est allé sur l'autre maison. C'est là-bas qu'on nous a mis le feu. Ils veulent nous brûler quoi. Maintenant, on s'est profité. En sortant maintenant, c'est là que le feu m'a pris. C'est ça que le feu m'a pris complètement. Je voulais même tirer. Si ce n'est pas, regarde ma douceur même. Tout ça a été tiré là-bas. Donc, heureusement, Dieu m'a sauvé, je suis sorti. Okay. Voilà. Vous avez été à l'hôpital après? Oui. C'est le militaire même qui m'a appelé, qui m'a amené à l'hôpital. D'accord. Ça, c'était vers la nuit. Ok. Voilà. Vous avez déjà eu des soins? Oui. En premier, j'ai eu les soins. Ok. Aujourd'hui, on vous voit à la gendarmerie. Si vous êtes venu pour porter plainte pour ou quoi? Pour porter plainte contre les manifestations, l'autorité n'a qu'à m'aider à voir mes objets. Quoi. D'accord. Donc c'est le fait, vous réclamez vos objets perdus? Oui, oui. Ils ont gâté mon magasin, ils ont pris 24 moteurs. Okay. Avec une moto, ma moto même. Okay. J'ai envoyé. Okay. Les objets qui étaient à la maison, tout allait brûler. Okay. Les enfants là, tous les objets ont brûlé. On a tiré sur quelqu'un aussi, le mécanicien. Moi, je suis mécanicien. Oui. On a tiré sur un de vos enfants ou bien quoi? Non, on n'a pas tiré. Mais ils ont pris leurs objets avec une somme de 8 millions. Je suis venu à l'hôpital. 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 Je suis venu à l'hôpital.
Men ari men dara ko fi wonno be wari dum si tay men hebe fere be lando yo men me en dara fi wonno be bonni banami lando hande nami lando jango be ngana lando modi anaña modi afejini ko dum me ari lando go okay.